Et c'est parti pour cette quatrième épreuve, 1365 mètres à parcourir. Excellent départ, Emblem of Hope. Liquid également bien sorti des boîtes. Donan qui insiste pour garder la corde. On retrouve Alain Méry qui va essayer de taquiner un peu Emblem of Hope. Emblem of Hope donc aux abords du tombeau à l'Arctique qui est parti avec de longueur d'avance. Alain Méry va finalement s'installer en deuxième position, Liquid. Ensuite, Swag Jaga à l'extérieur, lui, de Donan. Go Jewel, Jetstream à l'arrière avec Captain Garrett en pleine descente. Donc 800 mètres à parcourir dans cette épreuve pour le grand favori Emblem of Hope qui s'étend librement en tête de cette course avec Praveshwari, une longueur d'avance sur Alain Méry. Swag Jagger à l'extérieur de Liquid, Donan. Ensuite Jetstream qui commence tout doucement son effort avec Go Jewel et à l'arrière toujours Captain Garrett à la rue du gouvernement. 450 mètres à parcourir maintenant pour Emblem of Hope qui va assez facilement devant. Swag Jagger va se rapprocher. Alain Méry a eu un beau parcours. Donan commence son effort. Liquid Jetstream, Go Jewel, Captain Garrett en pleine ligne droite qui rattrapera Emblem of Hope qui tente de repartir. Donan qui va bien terminer à l'extérieur. Emblem of Hope va se diriger cependant tranquillement vers une belle victoire devant Donan. Emblem of Hope, Donan Liquid pour la quatrième place à Alain Méry. Ensuite, Swag Jagger, Captain Garrett, Jetstream et Go Jewel. Aucun problème pour Praveshwari avec Emblem of Hope. Course réglée tranquillement et il n'a pas eu d'adversaire. Regardez en ligne droite. Il continue tranquillement. Donan va bien accélérer, mais pour la deuxième place, Swag Jagger, Alain Méry. Liquid va finir bien au milieu de la piste. Oui, mini droite, Emblem of Hope est déjà hors de portée de ses adversaires. Donan, encore une fois.